Coucou, je sais... Non, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour. On est mercredi, là on va aller au cinéma. Comme c'est la fête du cinéma, c'est pas le printemps du cinéma, hein, j'ai dit n'importe quoi la dernière fois. Et on va regarder... Donc on va aller voir Les Indestructibles. Deux. Voilà, on prend des vestes parce qu'il commence à... Enfin, il fait de l'orage là. Donc on se dépêche parce que la séance... Mais non, mais Lulu, faut pas y remonter jusqu'au mollet, tes chaussettes. La séance, elle commence à quelle heure? Faut les descendre, Lily, les chaussettes là. Elle commence à quelle heure, la séance? À 4h. Donc bon, je vous laisse, du coup j'habille Lily. Hein. Oh, mais... On se retrouve dans la voiture. C'est pas très clair. C'est clairement pas très clair. Donc bon. Oui, la voisine. Donc nous, ben, c'est bon. On va au cinéma. Il pleut. J'ai mis des chaussures ouvertes. J'aurais dû prendre des baskets. Je sais pas ce qu'il a mis, Rémi. T'as pris des baskets? T'as pris quoi, toi? Des chaussures ouvertes aussi? Bon, on va tous les deux être mouillés. Qui? Bah, j'hésite à aller prendre mes baskets. Faut y aller là, ça... non. Non, on n'a pas le temps. Non, on a faut y aller. C'est trop tard. Allez, réfléchir avant. Salut. Allez, salut. On vient de sortir. Donne-moi la main. Il est où l'ascenseur? Donc, on est sorti du ciné. C'était bien. Lily, c'était un petit peu long. Elle avait du mal. On va aller manger la flunch. Ouais. Pour Lily, c'était un petit peu long, on va dire. Donc, elle gigotait dans tous les sens. Elle venait sur maman, sur. Elle voulait pas, voilà. Est-ce que tu as aimé le film, toi? C'était bien. On a été voir quoi? Les Indestructibles 2. Mais elle est occupée. T'as plu le film? Lily, si t'avais un pouvoir, ça serait lequel? Moi, c'est celui du papa. Lucas, tu nous attends? Moi, c'est avec la grande sœur. Toi, c'est la grande sœur? Et la maman. Ah oui, les filles. Oui, moi, j'ai le pouvoir. Donc et ben du coup on va aller à flunch hein. Voilà, tout simplement. Mais oui. Ah ouais. Ah ça faut rouler. Lily, viens. Allez. On va monter. Tu montes Lily? Tu me donnes le parapluie? On va le mettre dans le coffre. Merci. Il faut que je le lave le coffre. Allez, zou. Hop là, c'est parti. En route. T'es toute mouillée. T'es toute mouillée. C'est là. Oh, c'est pas grave. Hop là. Mouillée sur les fesses, sur la peau aussi. Mon moment favori, c'était où il y avait les hypnotiseurs. Je passe. Ah ouais? Maman. On va pas tout raconter. Et toi, Lily? Parce qu'il y en a qui n'ont pas été au revoir. Ah bah le méchant il s'appelle l'hypnotiseur, c'est pas difficile à savoir. Oui, mais on va pas raconter l'histoire. Ah non, mais on raconte pas l'histoire. Mais moi je veux que j'ai bon. Bah c'était bien hein. C'était un chevet de la moto. Oui. Et il avait combien de pouvoir le bébé? Il faudrait qu'on achète un truc pour poser là. Faut pas dire ça. Faut qu'on achète un truc pour poser là, qu'on puisse parler. Oui, chef. Oui, monsieur. Et oui, chef. Bah, regardez sur Amazon notre copain. Il était bien hein, le film. Hein. Il oui. Était bien. Et oui, moi, Julie, elle voulait que je parle du. Parce que figurez-vous que moi, j'utilise le casque de Lucas. Le casque qu'il a en reçu. En fait, tout à l'heure, je le retrouve dans le lit de Lucas. Son téléphone. Avec le casque. Avec le casque. Je dis, bah, bon. Bah, on entend bien dedans. Alors, il va donner son avis. Pour, non, voilà. Je suis chelou. Parce que Lucas. Bah, on entend bien dedans. Qu'est-ce que je donne dans mon avis? Bah, il fait pas mal aux oreilles. Voilà. Il est agréable à porter. Il me disait que. On n'entend pas le bruit autour. Voilà, et puis, on entend très bien dedans. Voilà. Papa? Et qui était confortable, mais du coup ça lui allait pas, c'était trop petit. Hein. J'ai mis le son à 100 tout à l'heure quand j'avais le truc. Ouais, mais même si tu le mets à fond, c'est pas très fort. Ouais, mais il faut pas le mettre à fond quand même, c'est pas bon pour tes oreilles. Mais non, ça c'est pas mal. Ouais, mais quand même, on va pas non plus pousser. Un autre jour, j'ai la tablette, un autre jour. Et bon, moi je commence à rouler hein, parce qu'on va jamais arriver au flunch sinon. Elle a pris la bleue et
Lucas était pas rapide. Et Lucas était pas rapide. L'indicateur était rapide. Oui, je crois que ma voiture. Vous remarquerez le silence de la voiture. Oui, bah oui, c'est une aiguille. Si je peux ressortir là. Papa. Oui. Ma voiture, j'ai fait des révisions, j'ai fait plein de révisions et ça marquait toujours à point mort. Parce que j'arrive pas à monter plus de 100. C'est ballot. Les autres, ils montent à 300. Ah, c'est ballot. Je vais battre en une seconde. Eh ben, on regardera, j'essaie de t'aider. Allez, à plus tard, bon appétit. On va aller manger. Bisous. Ah, d'accord. Là, des ballons. Des ballons. Ouais, bon appétit. Des ballons bleus. On vient de rentrer, il est 8h moins 5, donc les enfants vont pas tarder à aller au dodo. Il pleut, donc voilà. On a de l'orage, on s'en doutait de toute façon hein, qu'il allait faire de l'orage. Moi personne ça m'arrange pas, il y avait une super lumière du coup là. Ça m'arrange pas pour sortir Jules, il pleut. Il pleut. Donc, bon. On va sortir les vestes d'hiver pour se reger avec une débouche. J'ai des cartes au restaurant. Oui, à Flunch, tu as eu des cartes. Ils ont des trucs type 2. Ouais. Et Lily aussi, du coup. Voilà. Tu as eu des cartes. T'es content ? Ça, et ça, ça bouge. Ça, je sais pas ce qu'on fait. Ça, c'est pour le voir. En fait, ça, faut le mouiller pour le voir. Et ces deux-là, faut les chauffer pour les voir. T'es malade ? Non. Mais c'est ta voix qui part. Non, non. D'accord. Je suis pas malade. Ok. Bon, on va aller se mettre tranquillement au dodo. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis malade? T'as la voix qui est un petit peu cassée. Non. Si, si. Je vais aller boire un coup. Ouais. Si, elle a la voix qui est un petit peu cassée, vous avez dû l'entendre. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, eh ben, les enfants vont aller tranquillement au dodo. Hein, moi, je vais aller faire mon petit... Oui, il y a les cartes de Lily, c'est les mêmes que Lucas. Hein. Voilà. Ouh, qui c'est qui a ouvert la fenêtre de Lily sans regarder les chats? C'est bon. Il y avait Cookie. Elle est où Cracotte? Elle est où Cracotte? Elle est en rouge. Oui, bah tu parles. Il est bien capable de sortir avec l'eau. Il est bien capable. Donc oui, je suis en train de vous dire, je vais aller coucher les enfants. J'ai mis un t-shirt d'ailleurs aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu ce t-shirt. Donc je finis avec mon t-shirt et je vous explique après. Donc c'est un t-shirt que j'ai acheté chez Kiabi, que je n'ai pas repassé. Et qui vient du rayon du coup ado. Donc moi j'ai pris la taille S, non M, la taille S mallet, mais je préfère la taille M parce que ben, il est plus long. Donc normalement je le rentre dans le pantalon. Voilà, donc du coup j'étais en train de vous dire, je vais aller coucher les enfants, faire mon vlog. Faut que j'aille à la chambre, je vais disputer par monsieur. Allez. Faut que je fasse mon vlog. Sortez de là madame râleuse, oui. Pour laisser la place à cet homme sur l'ordinateur parce qu'il râle. J'ai un article de blog que j'ai pas eu le temps de faire, je me fais virer. Voilà. Et puis après j'ai plein de petits trucs à faire. Et j'irai m'occuper de ce petit chien là. Hein? De ce petit Jules. Oui? Tu veux qu'on aille faire un tour? Je vais vite coucher les enfants et puis on va aller faire un petit pipi. Oui? Donc on vous dit à demain. À demain tout le monde. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Abonnez-vous. Des petits pouces bleus. Ou des pouces vers le bas, je m'en fiche, ça fait pareil. Et puis bah du coup, hein? Abonnez-vous. Vous entendez le monsieur? Abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Abonnez-vous. À demain. Salut. Bisous.